Tralala, terrible. Streamer pro, putain. Heureusement que t'es là pour me le dire, hein, parce que sinon, tel un gros sac à main, j'aurais rien changé. Bon, comment ça va? Merci pour le follow. Merci à toi. Bon, ben voilà, du coup, l'arrivée de... du nouveau perso. TJ. Bon, du coup, jeune homme de 21 ans qui arrive de Liberty City. Et du coup, bon, son histoire, je le ferai petit à petit. J'ai déjà, comment dire, une base qui est implantée, mais pour le reste, on va dire que j'ai lu dans un peu. Alors par contre, je voulais aller à la mairie avant de d'aller à Pôle emploi, et malheureusement le Pôle emploi est... Enfin, la mairie est fermée. Ça casse les couilles. Alors, par contre, on va faire une chose assez rapide. Putain, alors, par contre, j'ai pas joué avec la nouvelle roue et tout, etc. C'est la première chose qu'on va faire, c'est vendre la Panto, parce que c'est un puits à essence inutile. Alors, il a pas compris, c'est qu'il faut sortir de la voiture pour vendre. Ah ouais, voilà, faut man. Bah ça oui, il faut... Bah nickel et toi? Ah ouais, faut sortir, c'est ça? Bah ouais. Bah comme si tu voulais la garer, sauf que bah tu veux la vendre. Ah ouais, merde. Bah coup, ouais. Je pouvais toujours essayer de lui demander le tarot. Ah bah ouais, j'ai vu, hein, j'ai vu. Mais bon, je me suis dit, vu que tu t'es avancé, je vais te montrer. Ok, ouais, ça roule. Je voudrais savoir comment il m'en propose de celle-là. Alors là, une petite bullette, comme ça, je sais pas. Ouais, bah, écoute, moi je vais aller voir. Ça va pas être fou, hein, je pense. Moi je vais aller voir pour un vélo. Ah, première rencontre. Ouais, petit vélo, ouais, bien sûr, BMX. Ça me revient trop cher avec les impôts. Ah ouais? C'est-à-dire, ça coûte cher les impôts? Parce que moi, je suis arrivé aujourd'hui, là. Ouais. Et moi, déjà, j'ai vu la petite voiture, là. J'ai dit, ça sert à rien, ça. Ah, ils m'en proposent 112. 112 dollars? 1000. 112 000. Ah putain, j'ai eu peur. Ouais, j'étais ouais, à 112. Ouais, 500 à l'achat. Ah bah ouais. Oh putain, chaud. Ouais, c'est ça. Ouais, faut que je réfléchisse. Parce que je l'avais mis en vente, mais il n'y a personne qui m'a fait de proposition. Ah, pas ouais. Ah, du coup, tu viens d'arriver? Bah ouais, je suis arrivé là tout à l'heure. Enfin là, à peine. Ouais, ok. Et du coup, bah je sais pas, je voulais aller à la mairie, mais bah, je crois que c'est fermé. Pour les tickets, là? Bah je sais pas. Là il y a des tickets à récup. Ouais, c'est à la mairie ou c'est ailleurs? À la mairie maintenant, je pense. Okay. J'ai bien suivi les comment dire les nouvelles. Ouais. Mais ouais, c'est fermé du coup dans le sud. Après, t'habites nulle part. Bah non. Pourquoi tu irais pas à la mairie du nord? Ah, je sais pas, bah déjà, écoute, là je viens de vendre la voiture, donc pour aller dans le nord, ça fait peut-être un petit peu loin un vélo. Ah, tu veux que je te dépose? Non, c'est gentil, t'inquiète, déjà je vais aller voir un petit peu à droite à gauche en ville. Je vais aller voir. Yes. Je vais aller voir. Sinon, ils publient de temps en temps une petite fiche avec les différentes entreprises qui cherchent du monde. Ok. T'as bah, vu passer ça ou pas dans les petits papiers? Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Voilà, donc si tu cherches du travail, n'hésite pas. Ok, bah vas-y. Après, c'est cool. Toi tu bosses où toi? Moi je suis RH chez Rhône Petroleum. Ok. Bah écoute, voilà, si c'est... Attends, je vais prendre ton numéro, tu sais quoi. Ouais, vas-y, 56-51 et c'est Kasey, K-A-S-E-Y. 56-51. Ok.
Voilà, sachant que bon, pour les gros travailleurs, chez nous, il y a moyen de se faire un beau billet. On m'a dit, t'appelles Kazé. Kazé, c'est ça, Victor. Kazé. Ça roule. Il y a moyen de se faire un beau billet quand. C'est Gigi. Tiji. Tiji. Yes. Bah, tu m'envoies un message et puis tu me mets ton nom. Vas-y, ça marche. Et puis, bah, d'ici une semaine ou deux, quand t'auras fait un petit peu le tour de Los Santos, bah, si tu cherches un emploi, n'hésite pas à me recontacter. Vas-y, ça marche. Yes. Ah bah, nickel, merci. Ça roule. Et bon courage à toi. Vas-y, ciao. Ciao. Bah, voilà, première rencontre. Bon, malheureusement, je n'irai pas chez Ron Petroleum. Mais, c'est toujours intéressant. Un premier contact. Toujours prendre les numéros. Toujours, toujours, toujours. Moi, je sais que j'ai des... Avec Perez, il y a des gens avec qui j'aurais pu prendre le numéro au tout début. BMX. On n'avait pas le nombre de places de parking nécessaires. Quoi ? Ouais. Attends, mais il y a un problème. Il y a un problème. Je regarde ça vite fait. Mes voitures. Carte grise 2. Voilà, faut peut-être que je fasse un petit doc lobby. Je vais refaire une tentative quand même au cas où. Oula. Ah ben voilà, nickel. Là, du coup, au pire, je vais envoyer un message à la mairie. Je vais mettre des choux, des machins, je vais écrire comme un sac à main, je m'en bats les steaks. Justement, c'est comment dire, à la différence de Perez, même si je faisais le con et tout, j'essaie quand même d'être un minimum sérieux. Là, avec lui, je m'en bats les steaks, je vais prendre beaucoup plus de liberté et m'amuser. Et là, en fait, pour un premier contact, c'est cool, mais j'aurais bien voulu aller à la mairie. Là, j'envoie un message au cas où. Attends. Run. Oh putain, par contre, cette course. Une sultan RS à Stekas. Donc voilà l'arrivée de TG. Je sais pas comment dire TG ou TG plutôt parce que G c'est un G. Mais voilà, du coup, arrivée du nouveau perso. Et je suis très très content d'arriver à ce moment-là, moi qui voulais faire un perso Crimi, d'arriver au moment où la Crimi V3 vient de sortir. Et où je ne sais absolument rien, à part le deal des petites mains,
je ne sais absolument pas ce qu'on peut faire en petite main. Je sais HRP que le vol de véhicules a été attribué aux gens qui n'avaient pas de gang. Mais du coup, savoir comment ils fonctionnent et tout, etc., j'en ai aucune idée. Et c'est trop bien. Bon, on va courir un peu. J'ai l'impression qu'il y a des véhicules qui ont des pop. En fait, ça m'emmerde. Je sais que le point d'entrée des petites mains est à la Syrie. Mais j'ai... En fait, je le sais HRP, mais j'ai pas eu l'info. Du coup, je sais pas comment... Comment faire en sorte que ce soit pas ouais, HRP. Je vais essayer d'aller à la mairie et je vais essayer d'aller au gouf quand même. What? Ah, je savais pas qu'il y avait des travaux à la... Ah, c'est incroyable. Ok. Bon, mais je vais quand même essayer d'aller... Aller à la mairie, après j'ai envoyé un message, ils m'ont rien répondu, donc je vais essayer d'aller y faire un tour, et puis j'irai au Pôle emploi. Ça fait tellement bizarre de... De découvrir la ville à vélo. Après, ça va, en vrai, ça va pas si lentement que ça. Il n'y a personne à la mairie, le gouv est fermé. Bon bah... Malheureusement... Go Pôle emploi quoi. Est-ce que je vais au LSPD pour aller demander des infos? Ça pourrait être tellement marrant. Oh, suivant sur qui je tombe.
Mais dans la logique, mon perso n'irait pas voir la police. Comment dire? C'est un jeune criminel déjà de base. Et il n'ira pas voir les flics comme ça pour taper la causette. Ce sera pas un connard fini. Mais par contre, ouais, on va pas faire poteau-poteau avec les flics. What? Oh, les PNJ. Mon vélo! Yo, reviens ici! Est-ce que je peux le... Bah oui. Faut que j'arrive à trouver la voix aussi du... Genre pas à la Benson, mais un petit peu, quoi. Et là, il... Ah non! Bébé, l'extinction de voix de mort. Est-ce que j'ai beaucoup de bouffe? 5 sandwichs, 8 d'eau. Bon, ça devrait aller pour... J'ai failli me faire faucher. Dans la logique, j'arrive, je prends le premier. Hein. En vrai, là, c'est le premier qu'on me donne. Je réfléchis même pas, en fait. Donc là, je vois que j'ai l'icône qui est apparue et tout. Bah, let's go. Hein. Yo les keufs, comment ça va? C'était quoi la phrase dans comment ça s'appelle? Dans Taxi. Alors les filles, on porte toujours la moustache? J'ai combien sur moi? J'ai 500$. Est-ce que je m'achèterai pas... Je vais quand même... Je vais quand même aller me récupérer à bouffer à... Même si c'est de la merde, je vais prendre un peu de bouffe de Ginette parce que... J'espère qu'il y aura du monde à la série.
maintenant qui arrive, donc ça commence à en faire beaucoup des gens. Hein. Allez, ça fera le taf. C'est trop bien d'être à vélo. Moi il me tarde qu'une chose, c'est de dealer comme un gros cochon à vélo. Alors, j'ai mis le petit bonnet Rastafari. Et je pense que c'est le genre de... Comment dire? Le truc que je vais garder tout le temps. Tout le temps. Même si je baraque, même si je deal, je le garderai en permanence. Ma gosse. C'est ça qui est, et du coup c'est ça qui est trop bien avec un nouveau perso, c'est que HRP et avec mon ancien perso, je sais beaucoup de choses sur beaucoup de gens, de véhicules et tout, etc. Et là je ne sais rien en fait. Mon perso connaît la ville parce qu'il y est déjà allé plus jeune, mais en soi il connaît pas grand, il connaît quelques gangs, mais juste de nom. Parce qu'il a toujours, il s'est toujours intéressé un peu à la criminalité, mais il en sait vraiment pas plus, quoi. Non, en plus, c'est bien d'avoir le pôle emploi aussi, parce que ça, comment dire... Ça te paye aussi, comment dire, pas mal. En tout cas, je suis très content de revenir. Comment dire? En fait, c'est très compliqué parce que j'étais dans un... Oh. Vas-y, il y a un mec. Yo mec, ça va? Salut toi. Ça va, tranquille. Dis-moi, tu viens de la Syrie là? Ouais. Ok, parce que je viens d'arriver là et moi j'ai essayé de voir un peu la mairie, les différents trucs. Il y avait personne. Du coup, je suis allé au Pôle emploi et c'était le premier truc qu'ils proposaient. Donc, si jamais ouais, c'est le truc qui paye le mieux. Ah ouais, c'est le truc qui paye le mieux. Tu veux que je te montre un peu comment ça marche? Ah bah vas-y, si t'as le temps, je dis pas non. Ouais. Vas-y. Bah de toute façon, je pensais refaire une tournée. Donc, ah bah c'est cool, merci mec. Pour une tournée, tu peux compter une bonne heure. Ouais. Donc tu dois aller, tu vas choper un camion ici. Ouais. Ta tenue, si tu veux mettre une tenue. Ok. Après tu reviendras ici depuis la mine pour tout transformer. Après tu dois aller sur les docks. Ouais. Pour vendre tout ça. Ok, ça roule. Et je vois que t'as un sac à dos sur toi là, ça permet de prendre un peu plus ou... Ouais, ça me permet de prendre un peu plus, ouais. Ah d'accord, ok. Ah, faudrait que je rentre ça alors. Après ils sont un peu chers en vrai, si tu viens d'arriver vraiment, ils peuvent être un peu chers. Vas-y, ça marche. Bon bah t'inquiète, de toute façon je vois ça et comme ça je verrai plus tard déjà faire un peu d'oseille. Ouais, t'es pas trop bien habillé pour le taf, donc tu peux prendre une tenue ici là, je vais te montrer. Ouais. T'as des tenues. Vas-y. T'as peut-être un sac avec la tenue d'air. Oh yes, ok. Ouais. Et là, tu peux prendre un camion ici, du coup. Ouais. Tu regardes bien la sortie, plutôt. Tu regardes vers la sortie. Tu prends ton camion. Vas-y, ça marche. Je te laisse sortir, je vais prendre un camion aussi et tu me suis. Vas-y, ça marche. Ben voilà. Nickel.
Il passe par, ouais, il va passer par le casino, etc. C'est trop bien. Putain, c'est trop bien. C'est des petites interactions qui sont juste trop bien. Puis je suis, comment dire, je suis beaucoup plus à l'aise à aller vers les gens, à tenter des choses là où j'étais un peu plus frileux avec, avec Anthony qui était bah, mon premier perso, donc forcément t'es un peu plus serein sur certaines choses et c'est trop cool du coup de d'arriver avec un nouveau perso, d'avoir un peu plus de connaissances en RP, d'un peu plus de facilité et tout, c'est trop bien. Je suis excité comme une puce là. Ok, il passe par là, c'est marrant ça. Il passe par les seigneurs à Wei. Ah oui, quoique ça permet d'éviter l'autoroute, peut-être de consommer un peu moins. Ouais, c'est putain, quand t'es à la Syrie, ça paye tellement plus. J'espère qu'il n'y a pas de radar ici parce que je vais. Oh. En plus, j'avais fait très peu d'Assyrie avec Anthony puisque je suis rapidement rentré chez les taxis en fait. Et en fait, j'ai fait une tournée. Putain. Putain, cette aventure. Ah ouais. Bon, désolé, je conduis un peu comme de la merde, mais... Ouais, non, mais t'inquiète, hein, tranquille. Sinon, tu t'en sors jamais avec les voitures qui roulent à 15, là. Oh bah, tu m'étonnes. Surtout sur la route où on était, à un moment, faut les doubler, quoi. Ouais, du coup, tu te poses ici, tu récoltes, tu remplis ton camion. Ok. Et voilà. Ok, vas-y. Bon, ce que tu peux faire, c'est te mettre vraiment en bordure. Ouais, genre, là. Je me mets à côté et... Ouais, comme ça, tu peux tout jeter dans le camion pendant que tu... Ah ouais, d'accord. En même temps, quoi. C'est des petites astuces.
Ah, let's go. Des fois, faut être bien proche, mais... Ouais. Oh, bah, vas-y, si bien. Du coup, c'est quoi ton nom ? Moi, c'est Jesse, et toi ? Moi, c'est TJ. TJ, ok. Ça marche. T'as, vas-y, je vais prendre ton numéro. Le 9840. Ouais, le circuit en vrai il est pas facile, surtout quand tu connais pas, ça te marque pas forcément les points GPS direct, ça te les yes. Vas-y, je t'envoie mon numéro comme ça. Ouais. Nickel. Ça fait longtemps que t'es en ville ? Je suis revenu hier après genre 5 ou 6 mois d'absence, donc ok. On va dire que ça fait longtemps, ouais. Et tu faisais quoi avant ? Avant je travaillais au garage le Zambicar, juste à côté là, sur la route okay. 68. Des trucs revente de véhicules d'occasion, plus garage. D'accord. C'est pas mal ça, vente de véhicules ouais, d'occasion. C'était pas mal honnêtement. Là je suis revenu hier donc forcément je t'afflue là-bas quoi. Mm-hmm. Je m'occupe ici. Hein. Ça paye pas autant qu'une vraie entreprise, hein, mais c'est déjà ça. Ouais. Ah parce que moi là, quand je suis le temps d'arriver et de faire deux trois trucs, j'ai vu que je touchais un peu de thunes, mais c'était que dalle. Hein, donc je suis vite allé au Pôle Emploi histoire de voir. Ouais, bah c'est le salaire de base. Hein, je crois que c'est 33 du quart d'heure si ça a pas changé. Ouais. Et après du coup t'as une. T'as une prime en fonction de ta vente quoi. Dans ce cas-là, je crois que c'est. Tu peux compter 2 dollars par minerai de fer. 2 dollars. Ouais, c'est chaud. Ouais. Bah tu te fais 1000 balles pour une tournée, quoi. 1000 balles. Bon après en vrai ça va. C'est déjà mieux que rien, quoi. Ouais, en vrai, ça te permet de survivre. Et tu cherches quoi? Tu cherches à reprendre un taf Ouais, dans une entreprise là, je me pose cette semaine là, pour me réacclimater un peu la ville parce que ça a vraiment changé quand même. Ok. Et après on verra. Hein. Ok. Et toi sinon, entreprise? Oh, je sais pas en vrai. La rue? Bah moi je suis pas d'ici à la base, je suis de Liberty. Et en vrai, bosser dans une entreprise avec un patron qui me casse les couilles, des quotas et des obligations, des horaires, oh, c'est chaud. Ouais, je comprends. Donc je sais pas, en vrai, bah, écoute, on va voir. Hein. Déjà ça permet de faire un peu de thunes. En vrai, c'était cool parce que j'étais là à l'ouverture quoi, du garage. Ouais. Du coup, on avait tout à apprendre, tout à construire. C'était cool, mais ça m'a cassé les couilles un peu. Bah je comprends. Hein. Après, pour la thune que ça faisait, c'est pas mal non plus, quoi. Ouais, j'imagine que bon, ouais, certes, t'as des trucs qui doivent être casse-couilles, mais au moins ça paye, quoi. Ouais, c'est ça, tu peux compter un petit 100 000 par semaine, quoi. 100 000 balles? Putain, ouais. Oui, mais vraiment bien, ouais. Avec des bonnes primes, ouais. Mais faut taffer, quoi, faut avoir les horaires. Après 100 000 ça va hein. Les apparts en appart je dois bien compter 100 allez 100 000 pour les moins chers ouais ou 30 000 je crois pour une chambre d'hôtel 25 000 pour une chambre d'hôtel ah oui d'accord c'est des pas... chambres d'hôtel un petit peu bah chambre d'hôtel c'est un lit et une salle de bain quoi ouais d'accord et un petit ouais. Peu de stockage pour mettre ta bouffe ou des trucs comme ça c'est ouais, ça dépanne, quoi. Ouais, c'est ça. Mais 25 000 pour quelqu'un qui t'a fait à la Syrie, c'est quoi, c'est une semaine, hein? Ah ouais, chaud. Oui. Après, moi, dès que je suis arrivé, je me suis fait prendre en otage pour un braquage de banque.
Oh bah let's go. Je me suis fait indemniser, je crois, 40 000 balles. Oh bah nickel, mais vas-y, je vais me mettre alors devant que, une banque et je vais faire le piquet. J'étais parfaitement traité, mais... Ouais. Ah, voilà. t'as dit que t'avais eu un choc psychologique, mental, c'est ça. Ah, let's go. 40 000 balles, ça m'a mis bien. Bah tu m'étonnes. Tu vas voir ici à la Syrie, il y a un peu des gens qui démarchent des fois. Du taf dans la rue, t'as les flics qui viennent te faire chier. Ah ouais? Ouais. Surtout que t'es nouveau, j'imagine que t'as pas le permis camion. Oh bah man, j'ai aucun permis. Ouais, bah voilà. Bon après, j'ai acheté un vélo, mais... donc en soi... Permis vélo, quoi, on va dire ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non, les flics, ils sont un peu casse-couilles là-dessus. Ah putain, ça dégoûte. En vrai, ça dépend. Hein. Écoute, combien l'amende pour conduite sans permis? T'auras pas d'amende, t'auras juste un avertissement et ils vont t'oublier après. Oh bah nickel. Oh bah s'ils sont cons, alors c'est bon. C'est parfait. Ouais, tu joues dans leur jeu un peu, tu vas de leur côté. Oh, je dis, ah, mais bah, vous vous rendez compte, hein, la Syrie? Bah ouais, mais moi, ils ont pas checké mon CV, ils ont pas checké mon permis, ils m'ont embauché comme ça. Moi, il m'a dit travaille, je travaille. Hein. Bah ouais, ouais. Bah ouais. Et s'ils veulent vraiment qu'on ait un permis camion pour taffer ici, ils ont qu'à mettre ça en... Ils ont qu'à mettre ça dans les... Putain, je sais pas comment on dit, dans les obligatoire, quoi. De... Bah ouais, c'est ça. Je suis à la moitié du camion, là. J'ai 50 kilos dedans. Ouais. Ce que tu peux faire, c'est... Ça dépend si tu veux faire une tournée complète ou juste une petite... Ah bah... Plus ça rapporte, mieux c'est, non? Vas-y. Donc à faire. Il y a besoin de mettre de l'essence ou pas dans le camion? Alors, si t'es chanceux, non. Normalement, ouais. Non. Mais ça m'est déjà arrivé de tomber en panne à... Alors, 20 mètres de la Syrie. Ah ouais, d'accord. C'est un peu chiant. Donc, t'as une station sur la route? Sur l'autoroute, là? Ouais, j'ai vu qu'il y en avait une juste en sortant de la mine, là aussi. Ouais, bah tu fais 10 litres là-bas et ça suffira. Ouais, ça marche. C'est trop marrant du coup de jouer l'innocent. Enfin l'innocent. Même si t'as besoin d'un peu de bouffe, de sandwich, bouteille d'eau. Et la supérette là-bas, mais c'est un peu cher quand même. Ouais, bah là j'en ai pris juste avant de venir à la Syrie au cas où parce que je savais pas combien de temps ça me prendrait. Donc, ouais, t'as combien de chaque là Là j'ai 5 sandwichs et j'ai 8 bouteilles d'eau. Ouais, ça devrait te suffire en vrai. Ouais. Bah écoute, après, de toute façon, si jamais il se réveille à la mairie, j'irai récupérer les tickets ou les trucs là. Ouais, c'est vrai qu'il faisait ça avant. Il y avait un guide d'une nouvelle arrivante, je sais pas quoi là. Ah bah oui. Bah, moi, quand je suis arrivé, je fais comme toi. Hein. Je suis allé à Pôle emploi direct. Ouais. Que ça répondait pas au gouvernement. Je me suis démerdé. Ah bah là, surtout que j'ai voulu aller au. Comment ça s'appelle là au LSAS. Sauf que bah, le bâtiment, il est en travaux de partout. Il y a tout qui est barré. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu passer ça. Ouais. Donc je me suis retrouvé un peu comme un con. Mais je crois qu'ils ont des mairies maintenant, c'est peut-être aux mairies qu'il faut s'adresser. Bah je suis allé aux mairies aussi et j'aurais laissé un message et ils m'ont toujours pas répondu. Ça fait ça doit faire une demi-heure voire plus. Et j'y suis même passé et tout. C'est l'administration. Ah putain, ça dégoûte. Ça change pas. Hein. Normalement, enfin, je pense que tu devrais avoir un sac peut-être dans le camion ou sont fournis avec la tenue, mais je sais pas si. Ah ouais, attends. Fais gaffe. Je sais pas, je vais regarder. Attends, je regarde vite fait.
Ouais, bah non, il n'y a pas de sac à dos, hein. Tant pis. Hein. Ouais. Ouais, tu peux aller en choper un en boutique de vêtements après. Ouais, j'irai après. Hein. Mais ça aide vraiment ou... Bah, ouais, tu peux mettre 10 kilos dans ton sac, je dirais. 10 kilos, ah ouais, donc ouais, ça Bien te 10 permet d'aller kilos. un peu plus vite, quoi. En vrai, part du principe que un minerai de fer, c'est environ 200 grammes. Ouais. Tu peux mettre 50. Attends, c'est ça? Est-ce que je sais faire des maths ou pas, moi? Alors là, moi je t'avoue, je suis une chouille en maths. Hein. C'est 50, oui. Non, Tu peux attends. mettre 50 minerai de fer, ça te fait 100 balles en plus, quoi, par tournée. Ah, c'est toujours ça. Hein. Oui. En vrai, tu le rentabilises en quelques tournées, ton sac, du coup. C'est trop bien, il me tarde de croiser des crimis ou quelque chose. Mais là déjà c'est cool, un premier contact à la Syrie qui m'explique un peu les choses, machin, c'est cool. Et si jamais t'achètes un sac et que tu mets la tenue de du taf là, t'as toujours le sac à dos ou pas? Ouais, normalement tu peux le prendre avec toi. Vas-y, Je pense ça qu'ils marche. t'autorisent ça au moins. J'ai vu plein de mecs avec la tenue du taf et leur sac à eux. Donc, Ah ok. Ah, moi je la mets plus la tenue du taf. Ah ouais? Hein. Ouais. Je l'ai mis 3-4 jours quand j'ai commencé ici et. Bah, dès que tu transpires, ça commence à gratter. Ah ouais. T'as des manches longues. Bah c'est vrai que là en plus putain il commence à faire chaud là de ouf là. Ouais, moi j'ai commencé cet hiver, il neigeait, donc en vrai ça me mettait bien, mais dès que j'ai eu un peu de thunes, je me suis pris mes propres habits. Ah bah ouais. Ouais, quelqu'un qui va venir nous démarcher. Ah bon? Les motards. Oh non, pas les Lost! Non! Putain, c'est qui? Putain, si je connais, je rigole. Putain, si c'est Pierre. Je vais tellement rigoler. Ah non, c'est pas. Et bonjour messieurs. Hey Hey, yo! bonjour. Comment allez-vous? Ah, nickel et toi? Ça va, ça va. C'est du recrutement pour Run Petroleum. Ah, mais c'est toi que j'ai croisé à la concesse tout à l'heure. Oui, tu Ah, vois. bah nickel. Voilà. Du coup, est-ce que vous cherchez un emploi, messieurs? Non, moi, pas pour le moment. Pas pour le moment. Ouais. Ce qui est sympa chez Ron, chez nous, c'est qu'on a plus de 70 points de livraison répartis sur tout Los Santos. Ce qui fait que même au bout de 6 mois, il y a des endroits qu'on n'a toujours pas livrés et il arrive encore qu'on découvre des nouveaux endroits. Bah écoute, Pour le moi, pour le c'est des moment. livraisons avec un camion citerne, quoi. C'est ça, tout à fait. Et j'en ai vu plus. Enfin, j'ai dû en remorquer plus d'un dans mon temps aux zombies. Hein. Pas les nouveaux, les anciens. Peut-être les anciens, hein. C'est les fantômes, c'était des tracteurs remorques à l'époque. C'était Ouais. fantômes avec une remorque. Maintenant, on est sur des Pounders modifiés. Ok. Du coup, il y a beaucoup moins de problèmes depuis qu'on a changé de modèle de camion. Ouais, parce que c'était chaud avant. C'est ça. Maintenant, c'est tranquille. On n'a plus d'accident. On n'a pas eu d'ITT de 12 heures suite à une explosion depuis qu'on a changé de camion. Ça n'existe plus, ça. J'avais un numéro d'un gars de chez Ron. Est-ce qu'il a encore en vie? Je sais pas, parce que vu comment c'était une galère ce mec. C'était qui? Bruno. Ah. Bébé, c'était bébé. Ouais. Non, il est plus là, Bob. Oui. Non, il est parti, bébé. Ouais, parce que. Comment il agissait. C'est trop marrant que Enfin, les j'avais chopé entreprises son viennent camion recruter à la entre Syrie. deux Mais c'est champs à bien. Rhapside. Je sais pas comment il a fait pour C'est le trouver. bien. Première Rhapside, tu entreprise, disais c'est entre les Ron, champs, quoi. lui. Je sais pas.
Donc, du coup, bah, n'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse. Pour les gros travailleurs, il y a moyen de se faire jusqu'à 300 000 balles par semaine. Hein. Bah, ça marche. 100 000, là, oui. De toute façon, j'ai ton numéro. Ah, ouais. Hein. Vu ouais, le prix de l'essence, je comprends. Ouais, hein. Bah, ouais. Nous, on l'a fait sur, allez, on va dire, 10 heures par jour sur toute une semaine pendant 6 jours, je crois. Je crois que c'est 6 ou 7 jours, on a fait ça, ouais. On est deux à l'avoir fait pour les c'est deux RH. Ouais. Donc, bah, si vous êtes intéressé, si vous cherchez de l'argent, il y a moyen de se faire de l'argent chez nous. Bon, après, il faut être motivé. Hein. C'est 10, ouais, 12 10 heures de par travail. Jour, il y a des on quotas. Ça toutes les semaines. Hein. Oui, tu m'étonnes. Il y a des quotas dans votre boîte, des trucs où... Oui, il faut respecter un 50-50 ou un 60-40 au niveau du temps de présence, temps de travail. Enfin, temps de travail, temps de présence. Ok. C'est à peu près ce qui est tout demandé. C'est quasiment la seule chose qui est demandée. Bon, après, au cas par cas. Donc, bah, n'hésitez pas, messieurs. Parlez-en à vos collègues si vous en croisez. Bah, vas-y, ça roule, mais pas de souci. Ça marche. Bon, allez, du coup, je vais voir à la scierie s'il y a du monde. Ouais, je crois qu'il y a 4 ou 5 personnes qui travaillent là-bas. Ah, bah, je cours, je vole. Sinon, ils sont au point de vente. Merci et bon après-midi à vous. Ouais, toi aussi. Je vais bientôt avoir fini, moi, je pense. Ouais, moi aussi. Hein. Je suis en train de finir de m'emplir les poches et le ouais, camion, il est même. Full. Et 10 heures par jour, faut être fou un peu. Hein. Oh putain. Pour un truc chiant comme de la livraison avec un poids lourd. Oh, faut être déter. Hein. Surtout, il t'arrive une couille, t'as le camion, il pète. Hein. Bah ouais. Et tu flambes avec. Hein. Putain, c'est ouais, chaud. Je te dis, j'en ai vu. Hein. Ah bah ouais, vu que t'as bossé dans un truc de dépannage et tout, t'as dû voir des trucs de ouf. Ouais, bah leur camion, je pense, c'est ceux qu'on dépannait le plus souvent. Ah ouais. Des trucs explosés. Tu te demandes comment le mec il a envie après. Et du coup maintenant faudra retourner là où on a pris les camions. Ok. Et transforme tout ça en acier. Vas-y. Normalement, je devrais être fini là. Ouais, nickel. Tu veux que je passe devant ou tu veux... Bah vas-y, je te suis. Ouais. Vas-y. Et si t'as besoin d'essence, n'hésite pas à t'arrêter à la station du coup. Ouais, vas-y, je pense que je vais faire comme tu disais là, je vais mettre 10 litres comme ça histoire d'être tranquille. Ouais, ça marche. Vas-y, ça marche. Par contre, oh non, tant qu'elle est pas dans le noir. C'est cool la Syrie parce que. Du coup, tu rencontres des gens. Putain, je sais plus parler là. Je me suis pas. Wayo. Wallo. Allo. Ouais, désolé, je parlais dans ma barbe. Ouais, non, t'inquiète. Faut que tu fasses gaffe, je vais te montrer, il y a un radar juste ici, là, derrière l'arbre. Ah oh, putain, il y a un... Je reste en dessous des 90. Bah attends, mais je me suis arrêté de mettre 10 litres, là. Ah ouais, ah non, c'était pas celle-là. Je parlais pas de celle-là.
Ah d'accord, pourquoi il y en a une autre en dessous? Ouais, sur l'autoroute, c'est plus simple à faire. Vas-y, je t'attends du coup au niveau du radar. Vas-y, ça marche. Comme ça, il va me montrer les radars. Alors, il est où? Oula. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, bon, de toute façon, j'aurai le temps de les prendre, les radars. PNJ pète un plomb. Putain, il a tourné comme un sac à main au dernier moment, putain. Ah oui, parce que là, sinon, on atterrit en ville. Et moi, je le suis bêtement, en plus. Où c'est que je peux me garer pour pas gêner? Où c'est que je peux me garer pour pas gêner? Essaye de te garer juste en face de moi là. Ouais, entre, ouais, entre les tenues et. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Vas-y, nickel. Devoir faire des allers-retours assez fréquents là. Ouais. Du coup le meilleur spot pour se garer c'est là, hein, c'est avec, là où il y a le camion. Bah là ouais, ouais je me doute, ouais. Comme ça t'as une plus courte distance à faire. Ouais c'est ça. Putain ce monde. La prime la plus basse est déclenchée à partir de... Et bonjour. Aïe aïe aïe. Bonjour, bonjour. Et bonjour. Ah oui, c'est ce que j'ai déjà croisé.
ça roule, y a pas de soucis. Et du coup... Jamais vu autant de monde ici. Ah ouais ? Jusqu'à 25% pour 15 000 bar- pour 10 000 barils en période d'essai, et entre 25% du chiffre d'affaires généré à 40% pour quand on est en CDI. Ok, ok. En étant en CDI, j'ai déjà fait une prime de 300 000 $. Pour une semaine ? Pour une semaine. Solide. Incroyable. Je vais prendre votre numéro de suite. Alors après, par contre, c'est... Comme ça attire des gens pour bosser des journées de 10 heures. Ouais. Oh, putain, c'est chaud. Non, le numéro... Le patron, il va se poser dans son siège. Allez, hop. Tout le bénéfice, c'est pour lui, de toute façon. 56-51. Et c'est Ron Petroleum. C'est ça. Le mieux, c'est quand même d'envoyer un message sur... Travaillez avec moi, les gueux. Moi, je vais me faire de la thune et vous, un petit peu. Les miettes, quoi. C'est ça, ouais. Avec les deux patrons. Les deux RH plus les deux patrons. Du coup, n'hésitez pas à envoyer un message sur la messagerie entreprise, comme ça... J'aime bien le Jesse, là. Vas-y, il veut pas faire de la crémie, là. Vous allez travailler pour nous, comme ça, vous avez de l'essence gratos aussi, parce que nous, on peut augmenter les prix de l'essence quand on veut. À l'heure actuelle... Putain, tellement... Alors, je c'est chaud, bon, c'est les seuls qui livrent de l'essence aux stations. Ils peuvent paralyser toute l'île. Oh putain, c'est clair. On a actuellement 3 places. 3 places, ok. Ok, ok. Ouais, j'ai pris les infos, ça peut toujours être utile. Si quelqu'un semble intéressé par l'entreprise, j'aurai les numéros et tout. À transmettre, si ça vous dérange pas que je transmette votre numéro, bien entendu. Ah non, pas du tout, au contraire, je vous encourage à le faire. C'est ce qu'ils cherchent. Même s'ils veulent juste prendre des informations, venir poser des questions, qu'ils n'hésitent pas, ce sera un plaisir de les renseigner. Ok, on peut venir. J'ai oublié de te préciser, mais si, si que non, je pose ici pour transformer quoi. Ouais, j'ai bien compris. Ouais, oui, c'est assez instinctif de toute façon. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Et du coup, après, c'est vers où tu disais les docks? Ouais, c'est tout au sud. Un petit peu nouveau là, ouais. Rappelle, le code postal c'est le 1034. Un petit peu la tête comme un pot 10 de fer. Combien 1034. Ah d'accord. Ah oui, je vois, ouais, sur le GPS. Le prochain jour, pourquoi pas. Ouais, okay. T'as un petit signe de dollar normalement. Ah, c'est ça, ouais. Que marqué vente. Vous allez livrer, ah, nickel. Bien, bon, en tout cas, ouais, merci pour les infos comme ça. Nous, comme vous je vais pouvoir taffer un peu tranquille, essayer de faire des contacts un petit peu. De toute façon, j'ai ton numéro en plus, donc c'est cool. T'as pas mal de monde qui passe. Même les mecs qui travaillent ici aussi. Ouais. Ouais, moi ça m'arrange parce que faire une tournée tout seul, putain, c'est chiant. Oh bah tu m'étonnes. Si contrairement à ce que tu penses, quand on est dans le nord, on fait comme tout le monde, on paye notre essence à la pompe parce qu'on n'a pas assez d'essence. Ouais, c'est la tristesse. C'est le comble hein, pour un gars qui travaille chez un pétroleum de devoir payer son essence. Alors, pour faire les livraisons d'essence dans le nord. Je vous rassure, en tant que Black Cat, j'étais très souvent, quand quelqu'un venait me parler, à demander de la nourriture parce que je prenais tellement juste pour être le plus rentable possible. Si on putain, genre les bagnoles sur Weasel là, putain. Après, il y aura pas mal de tournées à faire avant de pouvoir t'en offrir une. Oh là là, ça me donne tellement envie. Bah là, ça va. Et en vrai, je suis content de ouf. Hein. Moi, j'ai mon petit vélo là, ça me coûte pas d'essence. Ouais, c'est pas mal. Hein. Pour commencer, c'est pas mal. Bah ouais. Même moi, j'ai pu m'acheter une moto, mais je m'en suis pris un aussi. Essayé d'en parler. Ah ouais. Ouais. C'est trop pratique, hein. Non, bah tellement. On fait assez d'argent pour pas regarder les deux fois où on doit faire un deux. Bah c'est sûr. Ça marche. Note de frais pour 200. Et c'est le Zion. Ça a pas d'intérêt. À un moment donné. Oui. Oh là là. Non mais même sur les petites semaines, ça correspond à, on va dire, un salaire au quart d'heure. Ce serait tellement drôle que je croise un joueur et les Speedy que je connaisse. Non.
Je vais te montrer un autre passage où tu peux te poser même pour la soirée et tout. Ouais. Parce que t'as des. Y a des vestiaires où tu peux te poser pour dormir. Ah yes, c'est une... ça c'est cool ça. Ouais ouais. Ouais, surtout quand tu viens d'arriver. Ah putain, y'a un mec qui a mis son camion ici. Ouais, parce que du coup tu peux passer de l'autre côté. Ah putain, y'a une autre entrée. Ah let's go. Je dis l'hiver c'était bien là avec la chaleur qu'il y a à l'intérieur. Ah ouais putain ça dépanne de ouf ça. Et ici tu peux te poser, bah tu poses tout du coup ton véhicule au parking là-bas et tu viens ici quoi. Ouais ok. Ah ouais bien sûr ça j'imagine. Bon ma part j'ai fini. Ouais. On va aller vendre. Allez. Bon courage pour ton nom, les deux. Ouais, merci. Ah bah vous aussi, bonne note. A plus. Ouais, putain, le mec il jetait des miettes de pain aux pigeons là. Putain, c'est clair. Ça prime à 300 000. Ah, venez travailler pour moi, vous inquiétez pas, vous allez faire de l'oseille. Par contre, il faut beaucoup bosser et pas dormir. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous serez mes petits esclaves, mais vous vous en rendrez pas compte parce que je vous donnerai un petit peu. Parce que vous allez avoir plus de thunes que quand vous travaillez à la Syrie, à l'emploi. C'est ça. Ah putain. Mais qui vont faire une dépression au bout de deux semaines. Oh, c'est ça, quoi. Putain. Oh, quel enfer. Ah ouais, non, moi c'est pour. En vrai, bosser dans une entreprise, oh, c'est chaud. Ouais, je comprends. Je vais pas te mentir, hein. Moi j'ai jamais bossé de ma vie. Hein. Enfin, j'ai bossé, mais. Pas dans des entreprises en tout cas. Bah, la même, hein. J'ai bossé un mois dans une entreprise, c'est tout. Ah ouais. Au final, t'as fait que un mois aux zombies. Ouais, je crois. Un mois et demi. J'ai même plus. Je suis arrivé sur l'île le 15 octobre, quelque chose comme ça. Ok. Et du coup, ouais, j'ai fait le mois de novembre et décembre aux zombies. Ok, ok. Après, j'ai dû retourner sur le continent. Ouais. Putain, vas-y, la mairie, ils sont ouverts, je vais aller les voir après là. Je vais aller gratter. Bah ouais, vas-y. Hein. C'est dans tes droits de toute façon. Bah ouais. Comme moi, je gratte sur des prises d'otages. Oh, let's go. Putain, 40 000. Tu vas gratter des tickets taxi, là, ou Black Cat. Tu vas avoir 3 burgers. C'est ça. Putain. Ouais, allô. Ouais. Ouais, la même. Oh putain, vraiment, j'ai de la fièvre. Oh putain, ça dégoûte. Ouais, ok. Ok, ok. Ah, oh, vas-y, Simur. Ouais, bah, je pense partir dessus, clairement. Ah putain, ça va mieux. Ouais. Ouais, faut que je passe mon PPA d'abord. Ça peut être carré, ça.
Ouais, ouais. Vas-y, faut que j'aille récupérer au Camtar. Bah. Ouais, pas encore. Ouais. Ouais, moi j'ai de quoi m'acheter un vrai appart hein, en ville, mais. Bah oui, gros. Et j'ai travaillé plus d'un mois dans une entreprise. Je suis. Ouais, bah en vrai, je pense m'acheter une voiture avant de m'acheter un appart. Ouais. Ouais, je vois. J'ai mis la gueule que je lui fais. Par contre, la démarche, j'ai mis la démarche hipster. Peut-être que je trouverai un truc plus tard. Pour le moment, je vais lui laisser la hipster. Comme j'avais fait avec Perez aussi, avait eu la hipster. J'ai réparé leur bagnole une fois aux zombies et t'inquiète, t'as pas envie. Hein. Ah ouais? Vas-y, ça marche. Et moi, je reviens vers toi dès que j'ai ma réponse pour le PPA. Je crois que je passe le test psychologique, là. Après, qu'il transfère ça au clic et... Oui, mais t'inquiète pas, hein. Mais t'inquiète pas, je vais y aller en mode... Putain, j'ai peur pour ma vie. J'entends des coups de bombe à feu dans la rue. Je veux me protéger. Ouais, t'inquiète, on va se démerder. Vas-y, ça marche. A plus. Je sais pas s'il a raccroché. Pardon, mon téléphone qui est bugué. Ouais, désolé, j'étais au tel avec un... Oh non, mais t'inquiète, hein. Tranquille. Pas mal de contacts. Ouais. Non, t'inquiète, y'a pas de soucis. Si t'es intéressé, faire un petit truc. C'est-à-dire ? Bah, commencer dans la rue, quoi. Ouais, moi je suis chaud, hein. Le lieu, je crois qu'il vient d'arriver il y a quelques jours. Il a déjà des contacts pour la dope et tout. Ouais, après, ici, y a moyen de se faire des contacts, je pense, non ? Ouais, y a moyen de te faire des contacts ici. Moi j'ai déjà des contacts d'avant, mais moi, ils m'ont pas répondu encore. Ouais, non, mais... Parce qu'en vrai, s'il y a des mecs, des DRH d'entreprise qui viennent ici, à mon avis, il doit y avoir des DRH de... d'autres entreprises. Tout à l'heure, il y a eu un manager de talent criminel là, qui est venu. Ah, let's go. Le mec, il était là. Ouais, moi, je suis indépendant, j'ai des contacts dans tous les groupes, je fais les liens avec tout le monde, je dispatch. Je suis votre manager, man. Bah, dans mon téléphone, il s'appelle Manager Crimi. Je fais un mercato. Bah, c'est, il s'est présenté comme ça. Oh putain. Ça te dérange du coup si je file ton num au gars ou... Oh bah non, vas-y, y'a pas de soucis. Hein. Vas-y. Ouais, premier sous-contact, on va dire, pour de la crémie.
C'est à mon avis, ça doit être une peut-être petite main déjà. T'as, par contre, c'est tellement long. C'est long, mais du coup, en fait, le fait que ce soit long te permet de croiser beaucoup de gens. Je pense que c'est fait pour ça aussi. Mais du coup, vu que la plupart des crimis viennent à la Syrie... C'est fait. Vas-y, Simer. Putain, c'est long, par contre, de ouf. Ah oui, oui, oui. C'est chaud. C'est long. C'est pour ça que je mets pas la tenue, hein. C'est pour ici. Ah bah ouais, tu m'étonnes là. Putain, il fait chaud là, je vais suer comme un bœuf, putain, quel enfer. Là. Yo yo yo. Yo, TJ, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, TJ. Ouais, j'ai un ami qui m'a envoyé un message, là, il me disait que t'étais intéressé pour faire de la criminelle. Ouais. La crémie. Tu veux faire quoi, de la vente pour le moment ou pas? Vente de drogue? Bah écoute, moi je sais pas, tu sais, je suis arrivé aujourd'hui, on me propose du boulot, moi j'ai pas envie de me taper des quotas, donc je suis ouvert à toute proposition. Pour le moment, je peux te proposer ça, si tu veux, je te mets là-dessus. Ouais. Moi après, je veux monter avec une équipe, avec ceux que t'as parlé. Je pense que c'est avec lui, c'est... il a dû te parler un peu de criminalité, normalement. De... Ah non, alors en vrai, moi j'ai juste vu Jesse, là. Ouais, bah Jesse, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Non, je cherche son nom parce que je suis en train de faire un truc en même temps. Oh non, Jesse, il m'a même parlé. Moi, je vais pas te mentir, je suis en train d'essayer de monter une petite équipe pour faire peut-être du kidnapping et des trucs comme ça. Ça peut rapporter gros et après, ça va être compliqué. Jesse, il va essayer de s'occuper des armes. Moi, là, je suis en train de commencer à rapporter un peu de thunes pour commencer à pouvoir acheter des armes et pouvoir nous commencer à nous trouver un endroit pour loger, quoi. Pour nous acheter après des véhicules qui pourront nous aider. Donc, si ça tente, moi je peux te mettre sur de la vente de drogue. T'as pas besoin de faire de quota, tu ramènes juste de la thune et tout ça. Ok, bah écoute, après et en après, vrai, s'il y a moyen de faire un peu de thune, moi je suis chaud pour bosser quoi, tu vois. Bah vas-y, t'es quoi, je t'envoie un numéro. Ouais. J'appelle le mec, je t'envoie le numéro dès qu'il m'a dit ok. Et après, tu lui dis que tu viens de ma part, ok? Vas-y, je t'envoie mon nom et comme ouais, ça. Ouais, vas-y. Ouais, nickel, vas-y, c'est bien. Par contre, les mecs, si c'est des petites mains, ils sont déjà chauds. Hein. Parce qu'en vrai, des armes, faire des kidnappings, des trucs et tout. Ouais, c'est bon, du coup, il m'a appelé, là. Ouais. Putain, par contre, il est chaud de ouf, parce qu'il me dit qu'il cherche de la thune, des armes pour faire des kidnappings et tout, pour faire de l'oseille. Putain, il est chaud, oui, pas. Oui, il est un peu chaud avec ses kidnappings. Hein. Moi, je commence avec la... drogue, déjà. Bah ouais, moi, mec, moi, j'arrive en ville aujourd'hui. Si je peux vendre un peu de dope, je suis chaud, mais... Allez, on va choper le gouverneur. Ah, c'est ça, allez, vas-y, let's go. On y va avec notre bite et notre couteau. Ah, c'est ça, ouais. Putain. Ouais, mais après, il a raison, hein. Si on se met à plusieurs, c'est facile. Ça devient plus facile d'avoir un appart. Ah ouais, on ouais. A un stockage. On a tous un stockage, quoi. Parce que les premiers. Les trucs, là, les chambres d'hôtel, il y a combien dedans? C'est de la merde, hein. C'est de la merde. Ouais. Bah, tu vas mettre une centaine de pochons, même pas. Ah ouais.
Ouais, et puis tu 3, vas dépenser combien aussi en plus pour l'appart? 25 000, 30 000. En vrai... Après ça dépanne quand même. Si... Ouais, mais je sais même pas si tu peux mettre à 3 dans la coloc. Alors je pense que les proprios, ils doivent limiter le nombre de colocs. Ouais. Ouais, surtout en plus dans des chambres d'hôtel où il doit y avoir un lit, un chiotte et c'est tout. Ouais, c'est tout. À peu près, il y a une salle de bain. Je crois que j'en ai visité une fois, il y avait des squatteurs. Bon. Des squatteurs? Ouais, ouais. De quoi, dans la piole? Ouais, ouais. Oh, le mec, il s'était posé sur la chaise à côté du lit. Là. Je t'ai envoyé un message ou pas avec mon numéro? Bah oui, je t'ai donné mon numéro, je suis con. Oh, bah oui, c'est bon. Ouais. Est-ce que j'aurais assez par contre Est-ce qu'il n'y a pas une supérette où j'ai moyen de m'arrêter à la vente? Ouais, il doit y avoir moyen. Après, je pense qu'il faut pas être frileux. Surtout si tu veux jouer Crimi. Surtout sur 21 parce que ça peut être différent sur certains, on va dire, serveurs. Je sais que sur Faili... t'as un délai de, je crois, une semaine ou deux semaines où tu commences ton perso et les criminels ne peuvent pas te démarcher, mais tu peux faire la petite crimi. Dernier aller-retour. Yes, ouais. Bah moi là, c'est pareil, là, je transforme ce que j'ai dans les poches et à mon avis, ce que j'ai dans le camion, ça me fait un dernier trajet. Yo. Salut. Yo mec. Ah, excuse-moi, tu travaillais pas au Rogers avant? Ah, moi pas du tout. Ah ok, je me suis trompé alors. Ça fait longtemps que t'es là? Ouais, ça fait un mois. Ok. Ouais, clairement la mauvaise personne alors. Alors ça c'est tout pile en gros. Je sais pas, il y avait un mec qui te ressemblait comme deux gouttes d'eau qui travaillait chez Rogers avant. Je connaissais. J'avais déjà confondu avec quelqu'un, mais c'était pas quelqu'un du Rogers. Donc, vraiment, hein, ça ressemblait à pas mal de gens, oui, je sais pas. J'ai même plus son numéro. Et ça fait un mois que t'es ici là? Ouais. T'as fait la série? Oh, parce que donc l'activité que je faisais est un peu compliquée actuellement. Ouais. Putain, c'est quoi ce mec? Eh hey, bonjour. Comment ça? Oui. Ça va toi? Ouais, bon, tranquille. Putain de Wally. Hein. Comment ça se fait qu'il y a autant de monde là, la série d'un coup là? Bah, jamais vu autant de monde, non? Bah ouais. Ça fait là, il y a 6 mois, il y avait personne. Bah là, même ces derniers jours là, je suis venu hier, il y avait son père. Il y a un mois quand j'étais arrivé en ville. Attends, je vais récup. Au moins autant de monde. Mais vu que j'étais pas revenu à la série depuis. Putain, tellement drôle, Valien quoi. J'avais bien aimé son perso Price quand j'étais au LSPD. C'est quoi cette petite moto là? Oh là, une club. Putain, me dis pas que c'est what the fuck. Non mais vraiment. Ça va? Yo man. Ça va? Bah nickel et toi? Ça va, je te remercie. Je peux venir vous observer, voir un peu comment vous travaillez, ça dérange pas?
Vas-y, tranquille, hein. Impec. Je pense ici, tu peux te balader comme tu veux, non? En oh, vrai. Ouais, mais j'ai pas envie de vous emmerder, quoi, si vous êtes occupé. Bon, écoute, hein, oh, ça bosse, hein. Quoi. Tu t'appelles comment, toi? Je m'appelle TJ. TJ, ça marche, enchanté. On va de même. C'est quoi, toi? On m'appelle le fantôme, mais en vrai, je m'appelle Zach. Zach, vas-y, ça marche. Mmh. Le vol de voiture est impossible et que les ginettes se font en 9 mm. Salut. Ouais, les ginettes, on peut plus rien en faire. Les putes, putain. Ouais, entre le fait de plus pouvoir le couteau, faire là, en bagnole volée parce que tu peux plus voler de pièces et le fait que tu puisses plus faire. La petite Grimy en main, putain, c'est trop bien. J'ai mis mon gros couteau sous la gorge, elle s'en bat les couilles, quoi. Ouais. Même le taser, elle en a rien à cirer. C'est trop chiant, putain. Moi bon, je vais me risquer, moi bien. Yes. Salut. Salut. Combien. Ah, t'as pas de tenue de série, de série toi? Tu travailles pas à la série? Non. Ah, ok. Tu viens recruter des petits gars? Non, pas du tout. Je viens me divertir, je m'emmerde. Ah ouais? Oui. Ah bah moi j'essaie de recruter des petits gars, mais... Qu'est-ce que t'entends par recruter? Bah... Des mecs qui veulent bosser avec moi, quoi. Et je me fais chier à bosser tout seul, ça me casse les couilles. Ah, t'es tout seul? Bah ouais, presque. Enfin, maintenant j'ai un associé. C'est bien. Deux, presque. Donc, presque deux, vous êtes un ennemi. Ouais, on est un ennemi pour l'instant. Ouais, c'est bien, c'est le début de la gloire, ça commence comme ça, de toute façon. Début de la gloire. La gloire, elle est très très loin là pour le moment, c'est un peu galère. Là. Bon, ça dépend ce que tu recherches, hein. Argent, gloire, pouvoir. Bon, voilà, l'argent, je m'en bats les couilles. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh, c'est rare de trouver des personnes comme ça. Bah. À quoi ça sert de crever avec plusieurs millions sur le compte en banque? Complètement d'accord. Ça sert à rien, donc je m'en bats les couilles, moi, de la tienne. Ouais. C'est totalement mon point de vue, mais la plupart des gens ne le partagent pas. Ils sont là à exhiber leurs voitures de sport, leurs supercars, leurs meufs, leurs fringues, leurs montres hors de prix. C'est les exhibitions des temps modernes, ça, tu sais. Ah, mais ouais, j'ai vu ça. Putain, j'adore. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, là. J'ai croisé un mec, là, qui travaillait aux poubelles, là, le patron des poubelles, là. Il va aller laver une voiture à plusieurs millions de dollars. Ça m'étonne pas, tu sais, tous les patrons sont foutus par les couilles. Je lui ai demandé s'il n'avait pas 1 000 $ à dépanne. Il m'a dit, ouais... Faut aller hésiter, quoi. Ah ouais? Mais c'est la galère, tu vois. L'essence, elle est chère. Tu comprends, j'ai plus que 18 millions sur mon compte en banque. C'est un peu chaud, ouais. L'hiver va être rude. Bah, bien sûr, j'ai pas envie d'hypothéquer l'une de mes 17 villas. C'est chaud. Bah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Ouais, c'est un monde corrompu jusqu'au cul. On croit que tout le monde est des zombies sans cervelle, là, des animatroniques avec une puce à la place du cerveau, tu sais. C'est des noms dans des cases, ils bossent pour filer de l'argent à leur patron. Ça marche. Ah, mais c'est le cas en fait. Bien sûr, c'est ça. C'est pour ça que j'ai bien discuté avec les mecs de Ron, c'est exactement ça. C'est la même chose. Hein. Le mec de Ron qui vient nous démarcher, il nous dit fait 12 heures par jour pendant une semaine, vous avez une prime de 300 000 balles. 12 heures par jour chaque semaine, non merci. Bah, c'est pour ça que qu'il y a des petits mecs qui proposent de vendre de la drogue et tout. Si, en gros, si tu t'en bats les couilles d'avoir un potentiel casier ou autre, parce que bon, qu'on se l'avoue, vendre de la drogue, ça a des risques. Hein. Ben, en vrai, go le faire, hein, si tu t'en bats les couilles. Parce que tu vas gagner, si on compare un peu à la série, tu vois. Dans un médoc. La série, c'est quoi? En une heure, tu te fais quoi? 1000 dollars à peu près dans ces eaux-là, quoi? En une heure, c'est ça. Voilà. Alors qu'avec la Gaudro, tu te fais ça en... Allez, 20 minutes maximum, je pense. Ah, mais tu vas vendre où ta dope après? À peu près. Comment? Tu la vends où ta dope après? Comment ça, je la vends où? Bah, je la vends à l'aéroport. Ouais, j'ai fini aussi, moi. Ouais, ça marche. Ou à la plage, quoi. Ouais. Vas-y, on a fini, nous, on va à la vente. Yes, un peu tard, les gars. Dessous, là, vers Hangar, vous voyez. Je peux vendre bien et c'était plutôt calme. Putain, c'est le rendez-vous de la Crémy ici, c'est chaud. Bah, ouais, tu vas voir. Bah, c'est bien. Après, t'as toutes les phases de la crime, hein. Il y en a. Bah, j'imagine, ouais. Il y a des mecs avec des ambitions et des mecs comme ça. Ouais, on est d'accord. Ouais. Vas-y, tu peux me suivre encore. Vas-y.
C'est intéressant. Pour le moment, j'ai pas pris les numéros. Parce que... Pour le moment, là, j'ai un premier contact. Je vais essayer de pas trop me disperser. Mais c'est quand même un... très intéressant. Par contre... Est-ce qu'il va cut ou pas? Est-ce qu'il va cut comme un gros sac à main? Ah non. Ah ouais, il continue tout droit. Putain, ce monde qu'il y a! Non, mais c'est un truc de dingue. Yes. Ouais, j'ai eu les mecs pour le moment en attente un petit peu parce qu'ils sont occupés là. Ouais. Dès qu'ils sont dispo, de toute façon, je te recontacte. Et en cas de libération, je t'envoie ta première drogue, ok? Ouais, vas-y, ça roule pas de soucis, ouais. Ça marche pas si ils vont libérer la place. Y'a pas de soucis, je te recontacte dès que j'ai des nouveaux sur eux. Et ouais, je t'amènerai moi. Vas-y, y'a pas de problème. T'as une moto ou pas? Ou un truc pour conduire? Ouais, j'ai un vélo, man. Je suis arrivé aujourd'hui. Nickel, bah ouais, bah ça suffit pour le moment. Mais dès que tu peux, essaye de t'acheter une petite moto, un petit truc comme ça. Vas-y, ça marche. Une moto, si je me trompe pas, les premiers prix qui roulent bien, elles sont plus ou moins à 6000. Donc, si tu arrives à faire des bonnes ventes, tu peux t'en acheter un au bout de 4 ventes. Vas-y, ça marche. Bah écoute, de toute façon, je vais. On se voit tout à l'heure dès que j'ai plus de nouveau. Vas-y, ça marche. Alors. Vas-y, à plus tard. Ouais, du coup j'ai voilà, un des moments les plus chiants, la vente. Ouais, du coup j'ai comment il s'appelle, j'ai Thomas qui vient de me rappeler là. Ouais. Du coup il m'a dit que ses contacts étaient pas dispo, mais que dès qu'ils étaient dispo ils m'ont contacté. De toute façon je lui dis tranquille, t'inquiète, moi je bosse, je fais des trucs et puis dès que c'est bon, moi je suis chaud. Ouais, ouais. Faut pas se précipiter en vrai. Bah c'est ça quoi, moi ça me fait rire. Enfin il dit à un petit gars qui est arrivé il y a même pas une heure et demie qu'il monte un groupe pour acheter des armes et faire des... Oui. Et braquer des gens pour de la thune. On sait rien, hein, ça se trouve, bon c'est pas le cas, mais je pourrais dire ouais je vais faire de la crémie, puis je prends des contacts et au final je vais chez les keufs, tu vois. Ouais c'est ça, ouais. Le mec il t'a eu deux fois au téléphone quoi. Bah c'est ça. Le mec, on a parlé un quart d'heure tout à l'heure. Je lui ai juste dit que j'étais un ancien et il m'a fait bah, vas-y, hein, direct, dans le groupe. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, moi, comment dire, je sais ce que c'est les groupes, je sais ce que c'est de bosser solo ou avec des gens, mais je vais pas. Il faut pas se précipiter, il faut faire des contacts, rencontrer des gens, voir un peu qui bosse, comment, avec quoi, etc. Et après, tu fais même, ton idée. C'est ça, même les gens avec qui tu vas bosser, c'est pas en un quart d'heure tu vas les connaître. Hein. Non, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, après, juste avoir un appart pour avoir un stock de drogue, ok, mais commencer des gros trucs... Ouais.
Ah, s'il me dit, vas-y, let's go ce soir, tiens, je te donne un œuf et on va faire un braco. Je lui dirais, écoute, gros, t'es gentil, mais. Tu vas te prendre une amende 10 fois plus grosse que ton compte. C'est ça, hein, mon visa il va sauter parce que j'ai fait le teuteux au bout d'une journée. Mec, il arrive, premier jour, il break une sup. C'est ça. Ouais, let's go. Ouais, en plus de ce que j'ai entendu, on peut pas braquer Tupérette avec comment dire, du matos standard. Bah, je l'ai entendu dire ça aussi. Bah, c'est ce que viennent de dire les mecs là dans la dans la série là. C'est pour ça que tout à l'heure on m'a dit ça aussi. Du coup, je suis allé faire la démarche pour passer mon PPA. Du coup, c'est pour ça qu'il faut temporiser aussi quoi. Ouais, moi, je peux pas aller faire le compte tout de suite. Ouais, non, bien sûr. Non, mais c'est normal, c'est normal. Et du coup, tu sais à peu près quel genre de taf il y a, on va dire, dans la rue. Genre, bon, là, vendre de la dope, je suppose que c'est le classique. J'ai cru entendre vol de caisse, ouais. Tupe, drogue. Ouais. Je crois que c'est à peu près tout. Ok. Enfin, c'est tout ce que j'ai entendu, quoi. Il y a peut-être d'autres trucs, hein. Ouais, bien sûr. Non, mais ça permet d'avoir banques, une idée de base, tu vois. Ouais, alors... C'est pas accessible à tout le monde, hein. Ouais, j'imagine, ouais. Avec mon petit, ma petite tenue de la Syrie, là, je vais acheter une petite cagoule et puis let's go, quoi. Ah ouais. Moi, quand je m'étais fait prendre en otage, les mecs, ils étaient trop bien équipés, hein. Bah, tu m'étonnes. Ah ouais, non. Autant, en plus, pareil, il me dit « Ouais, t'as quoi comme véhicule ?» Il me dit « T'as une moto ?» Je suis « Bah, man, je suis arrivé tout à l'heure, j'ai juste un vélo, quoi. » Il me dit « Ouais, t'inquiète, ça va le faire. » Ah, c'est ça. À 250 balles, là. Fais ta sup avec 9 mm et BMX. Oh, putain. Vas-y, je vais pisser contre le camion, je reviens. Vas-y, t'inquiète. Je regarde un petit peu sur Discord. Sean Sheen, Weasel. Putain, mais Sheen, il a du Weasel. Qu'est-ce actionnaire majoritaire? Favori, Morger, Zilmanico, Sheen Sean. Bon. Par contre, ouais, alors je sais en HRP qu'il y avait un guide du nouvel arrivant et j'arrive pas à mettre la main dessus. Ah, ça, le compte monte un peu. Mais ouais. HRP, les groupes que j'aimerais beaucoup rencontrer, avec qui bosser, alors ce serait les Aztecas. Les Aztecas, j'ai beaucoup aimé quand j'étais à l'ESPID. Après, pour en revenir aux deux mecs de tout à l'heure, ouais. Les mecs, ils arrivent en mode défaitiste. Donc, quoi, lesquels. De la dope juste pour survivre, quoi. Ah ouais, ouais. Mais autant prendre un camion Go Postal, tu fais tes petites livraisons de journaux, t'as pas de quota, t'as rien. Tu vas assez pour bouffer et c'est bon, hein, tu vas retourner dans ta grotte. Ah non, mais c'est ça. C'est ça. Bon, de toute façon, tu vois vite comment les gens sont et comment les jauger pour certains. Ouais, ouais. Bah là, on en a vu trois. Y en a un, c'est un surexcité, et il y en a deux, c'est des déprimés. Bon. C'est ça. Oh, c'est chaud. J'ai pas encore vu quelqu'un de réaliste, moi, dans la crimi, ici. Bah, écoute, ouais. Bah, écoute, je verrai bien. Hein. Pour ça, faut prendre son temps.
Bah c'est ça, en vrai. Moi je m'en bats les couilles. Si par exemple ce soir j'ai pas moyen de bosser un peu ou quoi, je m'en fous. Hein. Je fais des petits camions de la série tranquille, je discute avec les gens, je fais des contacts et je fais mes bails, tu vois. Oui, oui, clairement. Je vais pas chercher absolument à vouloir bosser avec des mecs que je connais pas forcément, vouloir me speed et bah, peut-être comment dire, avoir des contacts de merde et que ça se passe mal, tu vois. Bah, moi, juste avant de bosser aux zombies, là, j'allais faire des bracos. Et le mec qui braquait, c'était un vieux de 50 ans. J'avais pas trop confiance. Hein. Heureusement, j'ai pas eu le temps d'en faire, mais ah ouais, le mec. Putain, il était chaud. Le mec était chaud. C'était une pile. Je sais pas quel âge il avait. Mais vas-y, j'avais pas confiance. Hein. Bah, tu m'étonnes, putain. Ah ouais. Mais comment ça s'est passé? Tu l'as rencontré à la Syrie? Ouais, à la Syrie, ouais. Des fois, il y a des caractères à la Syrie, vraiment. Oh bah, tu m'étonnes. Mec, tu t'en souviens pendant des mois après. Et le mec, un jour, il te propose un braco et 10 minutes après, il est embauché dans une entreprise. Bah, let's go. En vrai, t'es tombé sur une tournée un peu. Il y avait du monde là. Hein. Putain, mais là, en vrai, trois personnes qui viennent nous démarcher, c'est déjà pas mal. Bah là, bon, moi, j'ai juste pris le contact de celui que tu m'as filé, et, bon, le mec ouais. De Sharon, par politesse, tu vois, mais. Ouais, je n'ai pas pris. Même si je m'en bats les couilles, mais. Bah, en fait, au final, moi, je l'ai pris son numéro tout à l'heure. En fait, quand je suis sorti de l'aéroport, j'ai vu que c'était une voiture, la petite voiture, j'ai dit, oh, ça va être de la merde, ça va me consommer de la thune pour rien. Donc, je l'ai vendue. Au concess et j'ai croisé ce mec qui essaie de vendre comment ça s'appelle une bullette et en fait bullet, ouais, il me disait ah oh, putain il m'en propose que 100 000 alors que alors que je l'ai payé genre 200 ou je sais pas quoi ou 500 enfin je tiens bah oui ouais. Connard tu lui as rajouté 50 000 km hein. Non mais c'est ça quoi il me dit oh je vais la garder parce que comme ça il y a peut-être quelqu'un qui va me l'acheter par le weasel j'étais ah ouais vas-y si tu veux. Et après, il me dit, vous voulez bosser chez Ron, vous inquiétez pas, vous allez vous faire de la thune. Ah, c'est ça. Ouais. Oh putain, j'ai plus à bouffer, merde. Il me reste des burgers, je crois. Bah, en vrai, un seul, je pense, ça fera le taf. Attends, fais voir, il me reste combien. Il m'en reste 3, donc... Bah, de toute façon, Simmer. De toute façon, j'irai à... Ouais, après, j'irai à la mairie gratter, je pense. Puis bon, vas-y. Là, fais voir. Ah bah quand même, ouais, ça remonte un peu la thune, hein. Putain, ça fait plaisir. Ouais, tu vas voir. Même si c'est pas... Ouais, c'est toujours ça, hein. Moi, je vais pas me plaindre. Hein. Après, je peux te filer un petit billet si tu veux t'acheter des vrais habits, quoi. Ouais, non, mais ça, t'inquiète. En vrai, les... Comment dire? Moi, les fringues, je m'en bats les couilles, tu vois. Ouais. Au pire, là, voilà, tu vois, avec la thune que je me suis fait, je m'achète un petit sac à dos, comme ça, ça permettra de bosser un peu plus. Et puis, puis c'est tout, tu vois. Les fringues, c'est secondaire, tu vois. Ouais. Après, c'est sûr, si tu veux, si tu travailles un peu longtemps, hein, c'est du bien, quoi. Ouais, carrément. Mais c'est cool, merci. Ouais, j'ai quasiment fini de vendre, là. Il me reste 126 sur moi. Je vais checker, moi aussi. Ouais, moi, mon camion est vide, là. Putain, ça fait vraiment le over the top, là. Vas-y, nickel. J'ai vu, je crois, sur le Weasel, ce soir, il y a un truc de boxe, là. Un truc de boxe? Fight for All. Ouais, je vais aller checker ça, je vais me faire des contacts là-bas. Moi, Fondation Conin vous annonce le deuxième jour de la FFA. Le mercredi 21h aura lieu au stade de l'ULSA en 62. C'est l'université. Ah ouais. 16 participants s'affronteront en 1v1 dans le but de remporter le cash prize. Putain, un tournoi de fight. Putain, mais c'est tellement bien ça. Ça s'appelle FFA, mais c'est du 1v1, donc...
Ouais, j'avoue. Oh ouais, ça peut être bien pour se faire des contacts, j'irai checker. Ouais, ouais. Genre un petit peu, ouais. Après, rien de ouf. Hein. Enfin, du coup, je rends un peu sur Weasel, voir le... Comment dire? Les prix moyens pour des bagnoles qui pourraient faire le taf, quoi. Ouais, après... Sur le Weasel, il y a eu un problème d'inflation des prix des bagnoles et ah ouais, c'était vraiment horrible. Hein. Mais là, ça a l'air d'aller en vrai. Après aussi, si tu me dis qu'il y a comment ça s'appelle, un garage qui vend des véhicules d'occasion, et je suppose qu'ils doivent pas les vendre ultra cher non plus. Non, non, honnêtement, c'est des bonnes affaires. Hein. Donc ça doit valoir le coup de ouf, quoi. Après, bon, moi, pour le moment, une voiture, j'en ai aucune utilité, quoi. Ouais, bah, c'est clair. Même pour moi, en vrai, vendre de la dope, je suis sûr que une moto, ça, c'est moins rentable que de le faire à vélo. Même si tu mets un peu plus de temps, au moins, tu mets pas de jus. Ouais, bah, moto, ouais, c'est vrai. Et ça a quand même des avantages, hein. Ah ouais? Bah, pour semer les flics. Bah, après, faut pas se boiter, quoi. Faut être chaud. Ouais, faut être chaud, ouais. Je suis sûr qu'à vélo, je les sème. Bah, y a moyen, hein. Je sais pas s'ils sont très doués, les flics, hein. Il y a des passages, tu peux prendre qu'à vélo, j'imagine. Donc, Ah bah c'est sûr. Après, je connais vite fait la ville. J'étais venu il y a quelques années, mais je connais vraiment rapide. Ouais. Mais après, bon, bah voilà, vélo, j'aurai le temps de visiter, tu vois, tranquille. Ouais. Moi, ce que je fais entre chaque spot, tournée, c'est que je me fais un petit tour dans des coins. Ouais. Dans la zone industrielle, juste au-dessus de la... Juste... La Syrie, ouais. Ah, plein de ruelles, t'emmènes les flics là-dedans, ils sont perdus en deux secondes. Même s'ils ont des motos, ils perdent de vue. Ah ouais. Ah putain, ça, ton burger, il rassasie vachement plus que les trucs de merde là que t'achètes dans les supérettes. Hein. Putain. Ouais, ils sont gros les burgers. Et ils coûtent à peu près la même chose, je crois. Ah ouais? Ouais. Ah oh putain, c'est l'arnaque alors d'acheter une supérette là. Ah ouais. Oh putain. Clairement. Oh pire, de toute façon, je te dis, bah là après, je vais faire mairie et puis s'il me file des trucs. Ouais, Black 4 faire... du coin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les burgers du resto du Black 4 en 8000. En 8000? Ouais, sur la plage, sur la jetée. Ah ouais, ok, ouais. Ah ouais, t'as pas une... Ouais, il y a une fête foraine là-bas, non? Ouais, je crois. Ah ouais. Ouais, putain, ouais, d'accord, je vois, ouais. Ok. Je savais pas qu'il y avait un resto. Resto vraiment tout au bout. Ok. Bah écoute, ouais, vas-y, j'irai faire un tour après, tu vois. Petit sac à dos, mairie... Il me semble qu'à la mairie, en tout cas, de quand je suis arrivé, moi, ils donnaient des tickets... pour ce resto là. Ah ouais, d'accord. Ah putain, ouais. Ah, pour un peu de bouffe gratos là, c'est cool ça. Ouais. Ils te donnaient des tickets Beniz pour te faire réparer ta caisse et des tickets de taxi. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est bien ça. Ouais, ça va. Ça dépanne quoi. Ouais, ça dépanne. Bah surtout quand t'arrives, t'as 1000 balles quand t'arrives. Bah moi, quand je suis arrivé là, ouais c'est ça, j'avais 1000 balles. Ouais c'est ça, et puis bah je me suis acheté quand même un petit bonnet histoire d'eux. Ouais. Et puis j'ai vendu la bagnole de merde et puis le BMX quoi. Mais la Punto, tu l'as, la caution de 1$ là. Oh putain, je me suis dit vas-y, ils vont peut-être me donner un peu quoi. Putain, 1$, j'étais allé fist up.
Et il les vend neuf à 20 000, je crois. Hein? Ouais, ouais. Putain, c'est vraiment des enculés. Bon, après, en vrai, il la donne, donc, mais putain, moi, je suis sûr que c'est un gouffre à pognon, ce truc. C'est pour ça que je m'en suis débarrassé. J'ai dit, vas-y, ça dégage. Moi, je me suis pris une Sanchez, là. Une moto cross. Hein. Ah, une petite cross, là, ouais. Honnêtement, à 6 000 balles, c'est bien. Hein. Ça, ça consomme pas trop. Il y a 6 mois, du coup, il y a 6 mois, tu pouvais en choper une à 40 000 balles, quoi. Sur le marché d'occasion. Ah, ouais, d'accord. Jamais t'en avais une neuve au concess. Et là, il y en a, ça va quoi. Je sais plus. Je sais pas s'il y en a. Moi, j'ai acheté la mienne, il y en avait encore, mais. Ouais. Ouais, c'est bon, moi j'ai fini du coup. Eh ben, moi aussi. Du coup, tu peux maintenant, faut juste aller rendre le camion. Ah putain, ouais, j'avoue. Ouais, tu vois, je suis à 1007. Bon, avec peut-être le salaire et. Ah, en vrai, ça va. En oui, vrai, oui. Ça va. Bah, c'est 1000 balles, quoi, à peu près. Ouais, bah écoute, vas-y, je te suis. Vas-y, ça va. En vrai, ça va, je trouve que c'est plutôt rentable, la Syrie. Plutôt, en vrai, c'est. Pour moi, c'est très rentable. Le sac à dos doit quand même carry de ouf. Son trajet est pas mal. Bon, j'ai mis 20 balles d'essence. Oh, il va lui mettre un pit, non? Qu'est-ce qu'il branle? Tu peux juste le ranger ici, reprendre ta tenue et c'est bon. Non, vas-y, ça marche. Ouais, je vais me changer. Bonsoir. Yo. Et bonsoir. Bonsoir. Hop, nickel. De prendre un poste temporaire ici. Je sais pas si y a un patron, quelque chose. De quoi À voir. Non, il n'y a pas de patron, non. C'est vous faites votre tournée. Vous êtes payé avec la tournée et c'est ça.
Il faut un panier poids lourd pour ces camions? Normalement il en faut un, mais honnêtement c'est pas si grave que ça si vous l'avez pas. Donc du coup je fais quoi? Je prends un camion et... Et vous allez à la mine en 3054. Je regarde. Ouais, vous avez un petit point spécial. 3054 vous dites? Ouais. C'est à peu près dans quelle direction? Ah, Dans le nord. Ok. Je vois. Ouais. Donc il faut aller là-bas et remplir le camion, c'est ça? C'est ça. Après vous revenez ici. Ouais. Vous allez transformer tout ça à l'intérieur. L'intérieur. Et ouais, à l'intérieur, il y a une porte là sur le côté. Vous pouvez me montrer? Ouais. Merci. Et après tout ça, du coup, vous allez sur les docks. Juste au sud d'ici, il y a un petit signe dollar sur votre GPS. Il faudra aller vendre là-bas. Voilà, vous mettez là-bas et vous pouvez transformer tout ce que vous avez eu. D'accord, donc tout ce qu'on ramène de la mine ici, on le transforme. Ouais, c'est ça. Et ensuite après, il faut aller le vendre au dog, vous dites. C'est ça, là où il y a le petit signe dollar juste au sud. Ah oui, d'accord, sur les quais. Ouais. Ok, bon, ça me semble voilà. Assez... Et vous ramenez le camion ici, juste après. D'accord, donc là, vous rameniez les camions une fois avoir fait votre dernière tournée, c'est ça? Non, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. C'est une entreprise qui travaille 24 heures sur 24 ouais. Ok, ouais. Pas besoin de la fermer, pas besoin de l'ouvrir. Vous prenez votre camion quand vous voulez, voilà. Ok, donc payé à la course, si je comprends bien. Ouais, bah, vous avez toujours le salaire du Pôle emploi, mais vaut mieux faire une tournée, quoi. Ok. Je vais tester ça, je suppose, à l'essai, voir ce que ça donne, et puis... Allez, ouais, ça marche. Bah merci pour les informations. Non, pas de soucis. Ouais. Bonne soirée. Bah toi aussi. Bonsoir. Ah, une dernière chose peut-être? Alors, je vais chercher la nourriture aussi. Vous garez où vos véhicules personnels quand vous venez travailler ici? Ah, sur le parking là-bas, là, t'as un parking gratuit. Là. Ah, en face. Comme ça, d'accord. Tu le ranges parce que, à mon avis, si tu le laisses ici que tu pars, tu vas te la faire embarquer. Ouais, GG, il va venir le prendre. Ouais. Ouais, j'ai pas envie d'avoir de problème de nouveau avec la fourrière, ça a déjà été la galère ces deux derniers jours. Ouais, bah, pour une voiture comme ça, désolé, hein, mais. Ouais, ok. Est-ce que c'est vraiment un mal? Bah, j'espère vite m'en débarrasser parce que j'ai l'impression de m'être fait arnaquer par le garage qui m'a proposé une custo gratuite. Oui, la spéciale. Je m'attendais pas à avoir un véhicule rose avec un trombone, un pot d'échappement. Oh putain, bah là, ouais, t'as ta maison sur le toit, quoi. Ouais, bah je vais pouvoir vivre dedans, c'est cool. Encore ça va, hein, les lights, celle-là. Ah. Ouais. Ok. Vous avez de la chance. Bon, bah je vais essayer de me trouver vite un véhicule de gaz... Un petit peu plus discret, on va dire. Vous avez une moto à 2000 balles au concess. 2000 balles, une moto? Oui, ouais, la rat bike. Pas très moto, personnellement, mais à voir. Ouais, mais c'est le véhicule le moins cher qu'il y a. Ah, oui, ok. Alors un vélo. On va voir ça. Ouais, c'est ça. Ok, ben merci encore pour les informations. Non, pas de soucis, man. Bonne soirée. Ouais, toi aussi. Faut pas rester ici toute la journée, hein, sinon tu vas finir par aider tout le monde. Oh putain, j'imagine. Bon, en tout cas, moi, merci pour la petite tournée, c'était cool. Ouais, c'était cool. Hein. Ça m'a occupé, ça m'a fait un peu de thunes aussi. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes. Des contacts. Bah ouais, carrément. Oh putain, non mais vraiment. Oh, les néons et tout. Oh, j'ai bien fait de m'en débarrasser. Ouais, oh putain. Bon, vas-y, ils sont toujours ouverts la mairie là ou on fait voir? Ah putain, vas-y, ils sont plus ouverts, ça dégoûte. Vas-y, de toute façon, je vais tenter quand même d'y passer au cas où. Il y a un coursi par ici. Ah ouais, d'accord.
Ich. Ouais, tant pis, je vais quand même tenter d'y passer, tu vois, histoire de. Il y a peut-être. Ouais, tu peux toujours sonner en vrai. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être ouais. un mec qui traîne dans les bureaux. Hein. C'est ça, c'est ça. Bon, bah, vas-y, bah, en tout cas, Jesse, merci beaucoup. Hein. De rien. Et puis. Bah, du coup, t'as mon numéro. Ouais, ouais, carrément. Bah, écoute, toi, pareil, si jamais t'es en ville ou quoi, n'hésite pas à m'envoyer un message, tu m'envoies un yo ou quoi, tu vois. Et puis moi, je te réponds ouais, si jamais je suis bah, là. À limite, si tu veux commencer une tournée dans la soirée. Ouais. Tu m'envoies un message, normalement je serai là. Bah vas-y, carrément. Vas-y, allez, ça marche. Vas-y, à plus tard. À plus. Ah, j'ai. Merde, j'ai tapé dans mon micro. J'ai beaucoup aimé le contact avec AJC là. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Merde. Je vais aller vers Groove et tout. J'ai combien de thunes sur moi là? J'ai 300$. Et j'ai 1007 sur le compte. En vrai, ça va. Je vais regarder pour m'acheter un sac. Je sais plus si pour les vêtements il faut avoir la thune sur soi ou quoi. Là, j'ai des chutes de FPS, c'était. Ah bah yo. Yo man, t'as pas un petit problème là non? Peut-être je t'entends pas. Salut. Ah. T'entends mieux? Ah, ouais, nickel, ouais. Ouais, ouais, j'ai fait un petit coma, la déshydratation. Ah, merde. J'ai des sens qui sont un petit peu tous chamboulés, mais... Ah, putain, et ça va? Ça va, ouais, j'ai le médecin qui m'a donné du glucose. Je suis un petit peu remonté, mais... J'ai bien de penser à t'hydrater. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Bah là, de toute façon, je veux juste m'acheter un sac à dos, histoire de pouvoir bosser un peu plus pour la Syrie, et puis je vais aller... Je vais aller faire le plein de bouffe et de boissons. Vraiment, mais c'est pas toi que j'ai croisé à la Syrie tout à l'heure? Bah c'est possible, je sais pas, t'étais avec quatre. Le... Vous étiez... Ah, vous étiez beaucoup là, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça bosse dur, hein. Ah putain, ouais, j'ai vu ça, ouais. Et tu fais quoi, du coup? Tu fais que de la Syrie et tu cherches à bosser dans une entreprise ou... Moi, je suis arrivé récemment, apparemment, il y a pas mal de boulot de libre dans les ouais. boîtes, là. Ça a l'air pas mal intéressant. Mais ouais, pour l'instant, je suis à la Syrie, j'étais formé à la Syrie. J'essaie ouais, de digérer ça un petit peu et puis. Ouais, tranquille. J'aviserai. Ça fait longtemps que tu bosses à la Syrie, toi? Bah non, moi, je suis arrivé aujourd'hui. Ah ouais, bah pareil. Je suis arrivé aujourd'hui, je me suis fait. Bah, j'ai voulu aller à la mairie pour essayer d'avoir des infos, mais c'était fermé. Je voulais aller au Gouv, mais c'est en travaux. Bah, du coup, je suis allé à Pôle emploi et puis bah, j'ai pris le premier truc qui venait et puis c'est parti, quoi. Puis apparemment, on m'a dit que c'était celui qui peut payer le plus, alors j'ai bien fait. Ouais, carrément, la même en fait. Apparemment, le reste c'est même ennuyeux. Ah putain. Alors fais voir les sacs. Ah putain, 500 balles. Ah, ça pardonne pas. Hein. Ouais, après, en vrai, 500 balles, mais peut-être que ça permet de. Putain, est-ce qu'il faut l'avoir sur soi ou pas la thune? Non, c'est carte bleue. J'ai eu le coup tout à l'heure quand je l'ai acheté, moi. C'est carte bleue, vas-y, nickel. C'est ton carte bleue ici.
Mais bon type, ça, moi j'étais avec un mec, il s'y connaît pas mal, ça fait un moment qu'il bosse dans la scierie. Apparemment, sur ton investissement, t'as un retour sur investissement pour ton sac en 5 fournées, quoi. Bah En... normal, parce que tu ramènes plus, tu vas plus vite, donc forcément, bah c'est récupéré quoi. C'est ça, c'est un peu le credo. Bon. Je vais continuer mon petit tour de chemin. En tout cas, c'était sympa, hein. Ah Et puis, une bah vas-y, prochaine à la avec plaisir, scierie. hein. Allez, tchuss. Ciao. Vas-y, ne dis, putain. Tu casses les couilles. Merci, poulet. Ça va ou quoi? Arrête, tu as tout spoil. Va-t'en, va-t'en, tu as tout spoil. C'est pas bien. Bouh, le spoil. Attends, putain, faut que je sauvegarde ma tenue. Sinon, je vais me faire baiser. C'est gentil en Valbercy. Merci. Mais voilà. Voilà, du coup, le nouveau personnage. Je remets un peu. Putain, j'ai plus de musique. J'ai plus de musique. Quel enfer. Mais si, voilà. Qu'est-ce qui me casse les couilles, lui. Du coup, voilà le petit reroll. Ah, bah écoute. Bon, pour le moment, je suis une petite merde, hein. Mais crois-moi, le LS... Putain, quand je vais commencer à faire des scènes avec le SPD, oh, je vais m'en donner à cœur joie. Là, pour le moment, voilà, j'ai bossé un peu à la Syrie. J'ai fait quelques contacts, dont un contact Crémy. Voilà, c'est... Ça fait quoi là? Ça fait 2 heures que je suis en stream. C'est le début quoi. Mais c'est trop bien, c'est trop trop bien. Franchement, là je me régale. Et merci poulet ou poulet pour le follow. Merci. On va se prendre vite teuf à bouffer. Ah, attends, parce que je crois que je n'ai. En fait, je crois que je n'ai plus rien. Ouais, donc on va prendre. On va prendre 10 bouteilles. Prendre 5 de bouffe. Allez. Donc voilà, c'est le début. Vélo. Petit BMX au KLM. Parce que ça consomme pas d'essence, donc forcément. La Panto, elle a dégagé. La Panto, je l'ai vendue direct, hein, ça dégage. Et puis voilà, là je vais essayer d'aller à la mairie quand même, histoire de pouvoir gratter. Attends, putain, pourquoi le truc a... Putain, il y avait un juron. On va faire chez Gigi. Alors, en RP, du coup, je l'ai appris tout à l'heure. Alors, j'ai croisé Walnien et. C'est qu'on What the fuck là, qui joue Zach nouveau là, l'ancien des Lost. Et j'ai compris en RP qu'apparemment pour braquer les ginettes c'était compliqué et que t'étais obligé d'y aller au 9 mm, que tu pouvais plus y aller aux armes standards. Donc déjà rien que ça, toi t'arrives, t'es nouveau, tu dis bah en fait c'est mort. Donc pour le moment bah, les premiers tafs ça va être la dope. J'ai entendu même en RP tout à l'heure qu'on pouvait plus ouvrir, on pouvait plus de voler de voiture. Donc ouais c'est... Je suis très content d'arriver avec un nouveau perso Crémy avec la V3 parce que y a plein de choses qui sont nouvelles et c'est super intéressant. Je vais découvrir et je me suis pas spoil. Donc c'est vraiment trop bien. Par contre, je suis vraiment très curieux sur les... Comment dire, le vol de voiture. Parce que HRP, je le sais, parce que j'avais vu sur un live d'Alex. Le vol de voiture est devenu un business pour les petites mains. Et du coup, je suis hyper curieux de savoir comment ça fonctionne. Et pour le moment, en RP, j'ai pas eu l'info, donc. C'est trop bien comment dire,
redécouvrir la ville en vélo. Merci le jeune pour le follow. Merci, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Oh putain, la côte est rude. Et allez, man. Vas-y, pousse. Pousse, mais pas trop fort, man. Oh, je vais me faire découper par Weasel. Putain, le Weasel Gang. Merde. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la mairie ou ça se touche les couilles, là? Putain, mais la musique, J-Pep. Ah d'accord, la playlist est terminée. Et merci Liliken pour le follow. Merci, merci, c'est gentil. Le retour sur 21. Franchement, j'ai passé une semaine. En fait, déjà le départ de mon perso, ça m'a quand même fait quelque chose. Et en fait, il me tardait qu'une seule chose, c'était de rejouer. Vraiment, c'était mais horrible. Je guettais, et alors je pensais que ça allait être ce soir, je savais que c'était vers 21h30, 22h, je pensais que c'était ce soir, et au final c'était hier soir, j'ai juste connecté mon perso, j'ai choisi sa démarche, je suis allé acheter son petit Bob, et c'est tout, j'ai pas fait plus, j'ai eu aucun contact, c'était vraiment, et du coup j'ai tout fait en stream, et donc voilà, J'ai voulu faire différentes choses, j'ai pas pu parce que c'était pas ouvert ou quoi, machin. Je suis allé à Pôle emploi, et en fait, le premier job qu'ils te proposent dans la liste, c'est la Syrie. J'ai pris la Syrie. HRP, je savais que c'est celui qui rapporte le plus et celui qui te permet d'avoir des contacts en crimi. Mais en vrai, trop trop bien. Ça fait trop plaisir de rejouer. Un peu de musique. Du coup, putain, il y a personne à la mairie, quoi. Putain, ça casse les couilles. Je vais aller au Black Cat. Est-ce que je me refais une petite tournée la Syrie ou... Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai combien de thunes, là, moi? J'ai 1200. Je vais aller... Je vais aller au Black Cat. Je vais aller au Black Cat même si je paye la bouffe. Même si là j'ai acheté de la bouffe. Ou au pire je passe celle-là. Ouais, mais j'aurais pas assez. Je vais aller au Black Cat. C'est un investissement le Black Cat, mais. C'est le quartier de la pieuvre, ça. Je les ai jamais rencontrés, enfin, Paul Malone, moi en RP, je l'avais rencontré, mais pas quand il avait un groupe. Il était indépendant, mais c'est cool qu'il y ait des petits groupes comme ça. Ok, 18h40. Je pense. C'est vraiment dommage que la mairie soit pas ouverte, vraiment. Mais bon, c'est comme ça. Me garer dans le coin. Putain, c'est Gemini, ça. Oh putain, ils sont tellement stylés, les camions.
Oh putain, attends, j'ai plus du fever. Et 6 ans un distributeur. Bonsoir. Hey yo monsieur, vous avez un dab ou un truc pour retirer dans le coin là ou... Ah, alors il n'y en a pas directement sur le ponton. Ah merde. Le plus proche ce sera en 8007. En 8007 En fait, vous passez le ponton, ouais. Au bout du ponton vous tournez à droite et vous regardez, ce sera le... Ah ouais, sur en face, gauche, au bout, quoi. Un peu plus loin, il y a des dapes incastrées dans un mur. Ouais, ça roule. Vous pouvez me dire pour combien ça ferait 10 boissons et 5 de bouffe? 5, 10, c'est 400 dollars. 400 dollars? Ok, sympa. Bon, mais je vais retirer et j'arrive. Ok. Nickel, à merci. En vrai, 400 dollars? Pour la bouffe black. Oh la Tampa. Oh la Tampa Gemini. Putain. Oh les voitures. Non mais vraiment. On en est là quoi. Ça te sort des Tampa Drift. Putain, ça dégoûte. Il a failli m'enculer, on est d'accord. Oh là 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 là, tant pas de... Oh, cette voiture, mais c'est... Je trouve tellement belle. Ouais, c'est là. Elle est tellement stylée, la nouvelle roue. Bébé. Ah putain, j'ai eu le même problème hier. Je vais essayer peut-être de me rapprocher. C'est bon? Ça a marché ou pas? Ah ouais, c'est bon. $800, bon, ça va. C'est un investissement aussi, la bouffe du Black Cat. Parce qu'en vrai... j'ai combien du coup en poids sur moi? J'ai 4,1 kg. Parce que là, les sangs du juge... Putain, ça rend tellement peu...
Ouais, désolé, j'ai refait un appel, je savais pas s'il y avait quelqu'un. Ouais, vous inquiétez pas. Du coup, vous m'aviez dit que vous vouliez 5-10 en quantité. Ouais, c'est ça. Et vous voulez quoi en nourriture et en boisson? Je sais pas, vous avez quoi? Alors, nous avons des burgers, des tacos au poulet, des 4 fiches qui sont des burgers au poisson, ouais. Des salades César, donc c'est salade fromage crouton, des salades végé, ce qui sont salades tomates, maïs et crouton, des salades de chicken, qui sont salades tomates, poulet et crouton, des fish and chips, on a actuellement de la tartiflette, mais ce sera un peu plus cher, $50 au lieu de $40 en unité. Okay. Et je ne sais pas si on en a en stock actuellement, mais on a aussi les salades Black Spain qui sont pommes de terre, tomates et viande de gibier. Putain, vous avez plein de trucs, c'est cool. Mais je vais juste vous prendre, je pense, tacos au poulet, ça va le faire. Des tacos, ok. Et en boisson, on a des Orange 4, donc des jus d'orange ou les Black Zero qui sont des bières sans alcool. Ouais, je vais prendre des jus d'orange, la bière sans alcool, ça devrait pas exister, je crois, non. Ah, bah. Il y a de tous les goûts dans la nature. Ouais. Les gens qui préfèrent les bières sans alcool aux bières avec alcool. Ah oh là là, terrible, putain. Et on les brûle quand, du coup? Bah vous non, parce que ça vous fait des clients, quoi, mais... Je vous laisse vous charger de les traquer et d'en faire ce que vous voulez. Allez, c'est parti. Je mets ça à quel nom, du coup, pour la facture? Taj. T-A-J. Ah, parfait, je vais vous chercher tout ça. Ouais, nickel, merci. Je regarde un petit peu le weasel sur l'intra, voir s'il y a des trucs intéressants. En quoi travailler au Château Even, c'est la meilleure des idées? Non merci, je ne vais pas pouvoir faire de crémie si je veux avoir ça. Au vignoble. Alors, je vous fais la facture. Yes. Et voici. Hop, étonné. Et merci. Voici vos oranges 4 et vos tacos. Oh, mais nickel, merci. Merci à vous. Bah écoutez, bonne soirée. Oui, juste avant, vous êtes nouveau en ville? Yes. Est-ce que vous avez parlé d'aller voir les mairies pour recevoir des tickets restauration, médicaments, taxi et bénisse? Bah garage. Ouais, on m'en a parlé, mais en fait le truc bah, c'est que j'ai fait un appel sur leur messagerie et ils m'ont pas répondu. J'y suis allé et il y avait personne et du coup je suis allé bosser à la scierie un petit peu une heure. Et quand je suis repassé, bah, c'était toujours fermé. Ah oui d'accord, vous êtes arrivé, c'était fermé, ça a été fermé tout le temps. Et en fait, c'était ouvert quand j'étais en train de bosser à la Syrie, quoi. Donc, nickel. Et... Ah oui. Ouais, non, nickel. Allez, bon. Vous aurez peut-être plus de chance dans la soirée ou demain. Ouais, carrément, ouais. Et ben, bonne soirée. Ben, bah, merci à vous aussi, ouais. Ouais, à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Ah, nickel, bonsoir. Oui, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Bah écoutez, je suis un nouvel arrivant de cet après-midi et on m'a expliqué qu'il fallait passer à la mairie pour avoir quelques aides et des explications sur certaines choses, quoi. Vous avez eu la mairie Nord? Bah écoutez, comment dire, je suis en vélo et monter... Vous avez pas pris votre Punto? Oh putain non, c'est un enfer cette voiture. Je sais qu'elle est gratuite, hein, mais alors l'essence, faut la payer quoi. Donc moi je me suis acheté un petit vélo, comme ça, ça consomme pas et puis je suis tranquille. Parce que moi là, je vais pas pouvoir vous prendre tout de suite. Comme vous pouvez constater, la mairie elle est fermée et je peux pas y être tout de suite et avoir un moment. Non mais après il n'y a pas de souci, hein. Moi je peux revenir plus tard, je serai là dans la soirée ou quoi. Oh bah, de toute façon, la mairie Nord elle est fermée aussi.
Ouais, dans la soirée, il y aura des gens. Ouais, ça roule. Voilà, je vous rappelle comme ça pour pas bah, vous faire poireauter si vous êtes encore à proximité. Mais ce soir, pas de soucis. Ouais, ça roule. C'est quoi votre nom que je le note dans mon téléphone? Monsieur Lod, L-O-D-D, conseiller à la mairie. Ça marche. Eh bien, écoutez, merci, monsieur Lod. Merci. Bon, d'accord, il m'a raccroché la gueule. Nickel. Du coup, la mairie est fermée. Il est bientôt 19h. Je pense que je vais faire une petite pause. Je pense que je vais aller me... Je vais pas retourner à la Syrie. Je vais aller au parking à côté de l'ancien quartier Wave. Et salut, Nkedavra. Putain, Nkedavra. Hey yo, Scab, comment t'en vas? Oh, quelle belle emote incroyable! On se demande qui c'est qui a pu la faire. Bah écoute, ça se passe plutôt bien. Bon, malheureusement, il y a certaines choses que j'ai pas pu faire. Mais en soi, ça s'est plutôt pas mal passé. J'ai pu faire un premier contact, en fait, dans l'entreprise. Comment dire? Ah. Voilà, donc ça c'est mon premier contact petite crimi. Et je pense qu'avec lui ça peut être très intéressant. Donc ouais, je suis allé à la Syrie, donc entreprise Pôle emploi, où c'est un peu la plaque tournante des petites mains. Et donc j'ai rencontré Jesse qui m'a expliqué comment bosser à la Syrie, même si moi je le sais, mon perso ne le sait pas, donc du coup... Il m'a expliqué tout. Et on a fait une tournée ensemble, on a discuté. Il m'a dit qu'il avait bossé il y a quelques temps, mais qu'il était revenu sur l'île et qu'il bossait plus, mais qu'il faisait un peu de crimi, quoi. De quoi du... T'as cru que c'était marqué du coréen sur mon image? Sur quoi? Sur... sur quelle image? C'est marrant ça. Putain, faudrait que je change mon fond d'écran, faudrait que je trouve un truc. Ah putain, faudrait que je mette le fond d'écran que tu m'as fait... Enfin, l'image que tu m'as faite. L'image bleue de ton profil. Ok. Ça marche. Mais ouais, non, c'était très intéressant. C'était très intéressant et je pense que... Là, je vais faire une petite pause, tranquille. Et je reviendrai en début de soirée, je pense, pour refaire un peu d'Assyrie, prendre des contacts et tout. Et en vrai, c'était pour une première approche...
Les dimensions... Merde, attends. Les dimensions, je vais te dire ça. Les dimensions, je... Alors attends, les dimensions, je vais te dire ça. Parce que je sais qu'il y a, il y a des mecs qui ont fait des... qui avaient déjà fait des fonds d'écran pour... tu sais, préfet. Alors attends, fond d'écran, téléphone et autres. Divers... j'essaie d'en trouver un où je sais qu'il y a les vraies dimensions. Alors attends, je crois que il faut que j'enregistre l'image. Alors, nous sommes sur du... Putain, faut que je... Ah, non ! Faut que je dans le dossier. Alors... Nous sommes sur du 480 par 962. Putain, le mec il run comme un toteux. Ah putain, il est d'accord. Non mais t'inquiète, hein, je te dis ça. Moi, je, à la limite, j'aurais juste mis ton... Le truc que tu m'as fait le sans fond, tu vois. Hop, emote. Comment on fait déjà pour s'assouir. Hop. Nickel. Je vais la mettre en emote 1, ça, parce que... C'est s'asseoir, je crois. Ah putain, attends, prendre une pause. Voilà, comme ça. Au moins, on a une émote enregistrée. Bon, mais voilà, en tout cas, c'était cool. C'était trop cool. Vraiment, je me régale avec ce nouveau perso. Et je, vraiment, je suis excité de ouf de voir ce qui se passe et de ce qui va se passer. Et c'est cool aussi de croiser des gens que j'ai déjà croisés avec d'autres persos ou alors des gens que j'ai croisés avec mon autre perso, mais eux ils ont toujours le même et tu sais à peu près ce qu'ils ont fait. Là, la Syrie, c'était marrant là. C'était trop marrant. Merci Nuddy aussi pour le raid, c'était cool. Merci pour les follows aussi, c'était super gentil. C'est cool pour ma reprise avec un nouveau perso, ça fait vraiment plaisir de ouf. Et merci pour le follow, merci, c'est gentil. Je jouais à l'Espidi, j'ai joué quasiment 5 mois à l'Espidi. Avant ça, j'avais fait un mois de civil au taxi. Et j'avais un peu une baisse de motivation avec mon perso à l'Espidi, moins de temps. Et il y a des trucs que j'ai fait en RP qui, moi, me plaisaient pas. J'arrivais pas à m'en... Pas dépêtrer, mais je savais... J'étais un peu bloqué pour moi. J'avais envie, clairement, de faire de la crémie. J'avais vraiment envie de faire un perso différent. Et... Ouais, c'est ça. Et du coup, là, en plus, j'arrive au moment où il y a la crémie V3 qui sort. Et je suis hype de ouf. Donc là, c'est mon premier jour, la Syrie, les contacts et tout. Donc c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, là, on revient à zéro, hein. $837. Bon, j'ai un peu de bouffe sur moi et tout, mais c'est voilà. Hein. Back to business, hein, comme on dit. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour le live. C'est super gentil, merci encore pour les follow et tout. Et puis du coup, je vous dis à tout à l'heure. Je pense que... D'ici 20h30, 21h, je rejouerai et je relancerai le stream. Donc voilà. Allez, des bisous et à toutes. Tchou tchou.